Je dis assez un plaisir, un grand plaisir pour me capable de dialoguer avec un citoyen qui a 12 ans à vivre ici dans le pays Mexique, spécialement dans la ville Aguascalientes, qui je dis à la ville visiter, côté n'a présenté, représenté Haïti ici là, dans la foire internationale. Ça, nous garder vidéo déjà. Frem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la plateforme Léonard Show. Bonsoir Léonard, comment vous êtes? Moi en forme. Et moi-même, tout moi très en forme, grâce à Dieu. Ça fait un plaisir, tandis que vous habitez à des vidéos déjà. Ah oui, souvent, ça fait depuis 2-3 ans, je regarde Léonard Show. 2-3 ans? Oui, je regarde Léonard Show. Depuis que vous avez fait la vie ici, exact, dans Saint-Domingue. Exactement, exactement. C'est intéressant. Ouais. Comment vous allez? Moi, je suis Jacques Revens Riffin. Dans qui zone nous sorti à ici? Moi, je suis sorti Port-de-Paix, plus précisément Bassin Bleu, dans la commune qui est Bassin Bleu. C'est intéressant. Ouais. 12 ans au Mexique. Oh oui. Ça c'est impressionnant pour un pile monde qui a regardé nous là parce que il y a des monde qui pensait ici là pas une communauté vraiment. Non, il y a une communauté ici à Aguascalientes. Non plus que il y a une vingtaine de personnes qui vivent ici là. Bon, dans une ville qui a presque 1 million d'habitants parce que nous avons fait ça ce matin. Oui. 20 haïtiens environ qui vivent là. 20 haïtiens environ. Même ça c'est nous très à l'aise dans la ville là. Oui, c'est super stable ville là. Exactement. Parce que l'arrivée dans une ville ici qui a tant d'habitants, et puis pour pas une présence noire, nous spéciale quand même. Exactement. Mon cher, en 2012, l'homme arrivé ici, à la, pas de gain pile haïtien. De temps en temps, il est venu, il a joué une bourse d'études, il est venu étudier, puis il a arrêté. Et puis de ça, nous formons une communauté, puis nous vivons ici. Mais c'est dans quel objectif vous êtes arrivé, venir ici? Mon cher, son histoire qui est vraiment grande. Moi, j'ai commencé à étudier Saint-Domingue. Moi, j'ai fait une licence en médecine, Saint-Domingue. Après ça, j'ai allé à Cuba. Moi, j'ai fait tout une spécialité dans la chirurgie. Et puis après ça, j'ai arrivé au Mexico là. J'ai vu au Mexico, travail, et puis j'ai une famille, et puis j'ai une bonne vie. Man. Félicitations. Ouais, ouais, ouais. Parce que la République dominicaine, vous étudiez. Oui, oui, oui. Parce que Cuba, et puis vous choisissez. Oui, moi, j'ai étudié où t'es ça. Outessa à Santo Domingo. Elle a commencé. En parlant de Outessa, de Santo Domingo, où étudier là-bas, comment tu te sentais même? Mon cher, moi arrivé à Saint-Domingue, c'était en 2004. Bagayo pour que j'en voyais qu'on y a. La vie n'a pas trop compliqué, mais tu as toujours un problème ensemble avec Dominicains haïtiens. Après, là, nous finis, nous avons un problème pour nous faire spécialité Saint-Domingue. Avec problème mexicain et dominicain, avec haïtien, bon, nous t'es obligé d'abandonner ce domaine, chercher l'autre opportunité. C'est ça qui fait ça. Ça. Depuis longtemps, il n'y a pas de facile, mais il y a des choses qui viennent mal. Oui, 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 ça a oui, passé là-bas. Oui, oui, ça vient plus mal. Seulement, ça m'a souhaité que la situation change. Mais pour le changer, ce n'est pas dominicain qui va changer, c'est nous-mêmes haïtiens qui devons faire effort pour nous changer. C'est ça, m'a toujours opiné. Si la caille est bon, Dominique n'est pas besoin de nous pour humilier. Exactement. C'est parce que là, quand il n'est pas bon, qui fait un pile, on a le réfugié oui, là-bas, oui. Dans les dernières années. Oui, ça triste. On a regardé comment frère nous, soeur nous, il a maltraité. Mais moi, je souhaite que quand même, la situation soit capable de changer. Il est capable d'améliorer. Exactement. Arriver dans un pays nettement différent des pays où l'espagnol est en faveur. Oui. Mais, et, disons, culture mexicaine, habitude, comment ça? Comment tu fais pour te adapter? Mon cher. Avec famille mexicaine qui c'est bon monde, on monde rapidement capable d'adapter. Parce que ici à Aguascalientes, nous avons un cœur humain qui permet de nous adapter nous bien ensemble avec eux. Ils traitent nous bien. Ils traitent nous bien et nous sentons à l'aise. Ok, est-ce que famille est mélangée entre mexicain? Oh oui. Oui. Ah, ils sont mexicains. Oh, ouais, ouais, exactement, exactement. Ok. Ouais, exactement, ok. Nous avons monde là qui vient acheter là. Exactement. La permettre de acheter là. Depuis hier, nous avons vraiment apprécié la gastronomie noire. Oui. Dans ça qui nous présente là dans la foire. T'as l'air, nous allons le déguster. Ah, oui, 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 yeah, manger là. Oui, oui. Parce que vous dites, ça, c'est son groupe que nous avons ici là. Oui. Où vous publiez quelques photos. Exactement. Et puis je dis, on vient spécialement pour venir voir qui ça gagne. Oui, qui ça gagne. Ok. Et là, vous êtes venu ici, pas de bien pile présence haïtienne. Non. Non. Vraiment. L'homme t'est arrivé là, t'es gagné à peu près une dizaine. Dizaine. Oui. Mais c'était étudiant qui t'a joué une bourse d'études, puis on t'est venu étudier ici. Là. OK. Mm-hmm. Comment ça est? Dans toute année, ça est, par exemple, qui ça va arriver ici? Mon cher, ici, nous progressons grâce à Dieu. Nous progressons actuellement. Moi, je travaille dans l'université autonome ici.
Et puis, moi, je travaille dans une consul, dans une clinique. En 2014, nous sommes arrivés à mettre une clinique sous pied. Nous sommes en pharmacie et tout. Okay. Nous avons fait un pile travail ensemble avec un cousin moi qui était sorti aux États-Unis. Nous avons fait un pile bagaille dans le pays. Là. Et puis, nous continuons à travailler tout. Nous avons un coup de chapeau tout pour lire les juniors destinés qui a vivre à Washington, D.C. OK. Exactement. Qui s'est opiné des migrations haïtiennes dans les derniers deux ans, je suis capable de dire. Écoutez, il y a un pile haïtien qui vient passer ici, là, qui vient des couloirs, qui n'a pas eu l'opportunité pour être capable de progresser et faire une vie au Mexique. Mon cher, problème, non, c'est toute vision haïtienne, la plupart, non? C'est arriver au Mexique, à l'États-Unis. En pile dans yon, mais quand même, dans la situation quand yon sorti dans l'autre pays, yon pas investigué pour yon connaître exactement Mexico, qui ça Mexico offre. Par exemple, sur Mexico, ou travail, ou étudier, parce que Mexico offre une opportunité pour mon étudier tout. Si vous étudiez bien, ou faites un pile bagay, dans n'importe quel moment de la durée, ou qu'à joindre, yon visa ou à l'États-Unis ou à le visiter puis au retour. Il y a plusieurs monde tant que yon architecte, ingénieur, yon professeur l'école et acteur qui nous fait interview avec yo déjà. Ouais. Qui dit yon gen visa? Moi à l'États-Unis là. Moi gen 10 ans depuis ma moi gen visa sorti rentrer mais moi bien Mexico. Non pas jamais tenté dit bon bon quitter Mexique et puis bon moi à l'États-Unis. Non pas pour le moment. OK. Non, en forme, grâce à Dieu. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez, par exemple, un business actuellement là pour des services qui nous sommes capables de profiter de ça là sur promoter sur plateforme? Oui, clinique, une clinique privée que nous travaillons. Et puis, dans la clinique, ça, nous faisons consultation. Nous avons des gens qui ont problème de diabète, problème d'hypertension. Nous avons des gens qui ont qui est en rapport avec médecine de manière générale. De manière générale. Et puis tout, nous faisons chirurgie, nous participons à la chirurgie avec l'autre médecin tout. Nous faisons, ça y aurait retirer graisse dans votre monde. Nous faisons pile bagaille, grâce à Dieu. Okay. C'est dans qui adresse de trouver l'ici là et comment tu travailles? Nous, dans l'avenue universitaire, dans 114, en face. Université autonome Aguascalientes. OK, pour toute fois accès nous qui vivent dans Aguascalientes, nous déjà attendez côté clinique là et passer à le visiter frère. Mais est-ce que nous une vingtaine de monde qui vivent ici là ou une trentaine, m'a songe de dire, nous pratiquement connectés, non? Oui. Ça fait deux semaines depuis nous avons réunion, nous avons réunis ensemble, nous manger et puis après ça, nous aller la caille nous. Parce que nous gagnons un ami qui est Louise, qui fait pâté, qui fait manger haïtien. Et puis, chaque fois qu'il fait, il invite nous. Nous même comme frères, nous réunir, nous acheter manger. Nous mangeons ensemble. Les gars business et tout, ici à Aguascalientes. C'est vraiment intéressant. Souvent, j'ai un commentaire qui dit nous dans l'autre pays, nous aimons faire louange et nous réunissons, nous regroupons, nous dans bon. Mais pas dans tout pays, non, parce que je suis capable de dire ça aux États-Unis, il y a un litige entre les communautés haïtiennes qui est vraiment pas belle. Okay. Mais ici, là, moi, j'ai une plusieurs communautés qui disent que nous vraiment réunissons. Nous vivons tant que frère. Oui. Si par exemple, dans pays, nous pas comme ça. Si par exemple, M. Damien a un gros problème médical, il a checké, moi, si j'ai un problème. Génie, informatique, checker, nous vivons bien. Nous sommes des professionnels qui sont là, qui sont au service de chacun. Exactement. Ils ont aidé l'ordre. Si je fais cheveux, je vais aller côté Robinson, qui c'est Marie-Louise, et puis je vais faire cheveux. Nous unis, nous. C'est vraiment intéressant. Moi, arrivé tant de parler de Aguascalientes, ça fait quelques mois, c'est l'MT Palin qui t'y a passé. Organisation avec nous, il y a une option dans le programme d'intégration à mener mon site là. Et c'est la zone industrielle? Oui. Il y a un peu d'industrie là, tout, qui bâille mon travail, surtout étranger. Est-ce que c'est la principale entrée économique zone là? Non. Mais là, pas grand économie qui est trop avancée, mais on vit bien. Sauf qu'on est qui objectif, on vit bien. Ok, est-ce qu'il y a un migrant qui fait venir, qui a une chance de visiter là? Oui. Seulement avec une idée que vous venez pour avancer. Non penser pour immigrer, pour aller de l'autre côté rapide, mais il faut être stable. Exactement. Pour un projet à long terme qui est capable de. Il y a un bagage qui est important, c'est patience. Patience. Qu'on est qui sauve les, qui objectif,
et puis pour capable avancer. Si vous arrivez là, par exemple, ou pas un objectif, ou pas avancer. Ah, parce que là, nous arrivons là, bagaille pas facile, mais là, en face des gens qui ont bon conseil, qui disent qui ça pour faire, comment pour agir, et puis tout faut écouter conseil. Très patience, écouter conseil grand, et puis on va pas avancer. Question ça me déjà qu'on va le poser, m'a tout posé le bon monde. Coup de vie à ici là, comment ça est? Bon, c'est bien. En pécaille. Oui, c'est bien. Pour travailler. Oui, c'est bien parce que si on travaille, on gagne accès que au capé on caille 6 7 8 000 pesos qui équivaut à $400 américains. Mais on a parlé de un caille complet. Oui, on gagne un des trois chambres à dormir, oui. Toilettes. Sous besoin en chambre, non, en chambre qui gagne toilette, qui gagne bagage ou capé les 3500, 2500, dépend de économie. Quand ça tout gagne 1500, 2000 pesos dépend de l'économie. Oui, vous capable. Okay. Est-ce que système construction, ici là, il est présent. Ça pour y a construit que monde qui a travail vraiment. Pour étrangers, oui, ou qu'à joindre, mais il y a un petit peu difficile. Voilà. Ah oui. Pour la majorité, c'est tout le monde qui sort de la République dominicaine, qui a besoin de la construction. Oui. Ils ont toujours posé une question. Léonard, Léo a parlé avec un citoyen qui est dans telle zone, demandé pour moi combien de boss maçon a touché, est-ce qu'il y a un travail. C'est une raison qui fait toujours qu'il y a des questions pour me poser. Parce qu'il y a un pile de monde qui vraiment. Et faire des demandes ça. Ici, à la par exemple, construction, il faut avoir un contact. Ok. Oui. Mais par exemple, si vous avez besoin de travail dans Oxo, dans Walmart, ou besoin de travail dans n'importe quel bagage, vous avez besoin de côté pour travail. Et c'est une zone industrielle. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Il y a un peu le goût par exemple, pays, ingénieur, informaticien, oui, vous avez besoin d'un peu de travail ici à tout. Intéressant. Oui, oui. Ok, pour nous capables de finaliser, qui sont vos pensées de. Présentation à Haïti. Mon cher, son bel bagaille. Au contraire, tout à l'heure, je vais manger. Je vais chercher ça pour manger. Yeah. Là. Moi, j'ai du riz, moi, j'ai viande, et puis j'ai pain patate tout. J'ai pain patate, nous j'ai babankou là, j'ai prestige. Mon grand même, nous sommes dans l'université, nous avons fait pain patate en pile pour nous manger. Là, nous sommes Saint-Domingue, qui est le Grévier Emmanuel. Nous saluons, t'as des Grévier. Merci d'être côté choisi, partager un peu une expérience au Mexique avec nous. Parce que nous avons vraiment apprécié la vidéo ça. Et ça fait n'importe quoi quitter commentaire. Mon cher. Et n'importe contact. Oui. Parce que ah oui oui. Pendant oui. Venir dans zone là. Oui oui oui. Mais oui mes zones. Nous allons mais tourner dans zone là pour partager avec nous. Oui mon cher, Yombakay m'a dit que moi félicite. Moi fais un bon travail et c'est grâce à travail ça qui fait moi capable de me lever là moi où. Je dis, ah, ça c'est Léonard Shaw. Moi, je suis bien content. Continuez comme ça, Zami Pam. Moi, je remercie vous d'être que vous avez fait une interview, ça, Zami Pam. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Partagez. À la prochaine. Bye bye. Alors, vous même quand vous regardez là, quittez un commentaire, partagez la vidéo, ça pour capable vous plus loin. Et puis, vous allez un like. Et puis, suivez-moi tout côté sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ou avez une plateforme, Léonard Shaw.